Mesdames, Messieurs, chers collègues et ces présents et les gens qui nous suivent à distance, je suis honoré de présider cette séance, cette cinquième séance, en présence de M. Drisli Azami et Abdelatif Maroufi, qui vont être sur le voyage à Paris, immigration musique marocaine au XXe siècle, professeur Kbir Atouf de l'université d'Ibn Zohr, état de la recherche sur la question migratoire dans l'histoire du Maroc, professeur Mariam Youssefi, récit de vie, professeur à l'université Ibn Zohr, récit de vie croisé de l'histoire individuelle à l'histoire collective. Sans tarder, je donne la parole au président de CCME, Cédric Liazami. À vous, Cédric. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord, bien évidemment, commencer par remercier l'Institut Royal d'Histoire et l'Académie du Royaume d'avoir bien voulu accepter cette communication qui émane de deux historiens amateurs qui n'ont aucune formation d'historien académique et qui n'ont pas non plus une formation académique d'ethnomusicologue, puisque cette intervention porte sur la musique et l'immigration au XXe siècle. Je voudrais commencer par rappeler qu'il y a quelques mois, moins de 6 mois, la traduction d'un ouvrage vient de paraître en arabe. Il s'agit d'un roman très célèbre en français, écrit et publié en 1955 par Drish Raibi à Paris, et qui vient juste d'être traduit en arabe, et qui vient d'être publié par la maison d'édition Le Fenech sur une traduction d'un poète marocain vivant lui aussi en France, Mohamed Hamoud Dan, avec une préface du professeur Hassem Besfer, grand spécialiste de Drish Raibi. Ainsi, une œuvre fondatrice, un roman fondateur sur l'immigration marocaine, mais de manière générale sur l'immigration maghrébine et sur l'immigration. Pour ma part, je le considère comme un des plus grands romans, sinon le plus grand roman écrit en français sur l'immigration, vient juste d'être accessible au public arabophone après 66 ans après sa publication. C'est dire, à mon avis, l'absence ou la faiblesse, voire l'absence de l'histoire culturelle de l'immigration marocaine et maghrébine de manière générale. Ainsi, la prégnance de l'histoire sociale reste est évidente et encore se révèle aujourd'hui. Pourtant, la recherche marocaine sur l'immigration, dans d'autres domaines que l'histoire, est assez importante, comme nous allons le voir, puisque, en fait, durant ces dernières années, pardon, je crois qu'on a un petit problème technique de passage de slide. Excusez-moi. Donc, si on fait une sorte de rétrospective des publications scientifiques sur l'immigration ces 10 dernières années, nous avons autour d'une centaine de publications. Non, le slide avant, s'il vous plaît. Il y a par exemple l'œuvre que sort la Fondation Hassan II depuis maintenant 2013, les Marocains de l'extérieur, coordonnée par le professeur Berrien. Tous les 3-4 ans, nous allons avoir l'année prochaine la troisième édition, les Marocains de l'extérieur. Il y a aussi de très nombreux ouvrages qui ont été publiés. Je suis désolé. Voilà. Je lèverai la main pour un passage de slide. Merci. Donc, je disais que ces dernières années, dans le domaine historique, le professeur Kbir Atouf en parlera bien évidemment de manière plus savante que nous, mais il y a une faiblesse de publication, en tout cas, de l'histoire. Alors, cette communication émane de deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de deux historiens amateurs qui sont habités par une double passion, une passion pour l'histoire de l'immigration qu'ils ont manifestée ces dernières années, qui s'est manifestée aussi par de nombreuses publications, comme par exemple la revue Migrants, qui a été une des revues
la seule revue en fait sur l'histoire de l'immigration qui a publié une quarantaine de numéros en France à partir de 1989. Il y a aussi des expositions comme l'exposition Génération avec un catalogue publié aux éditions Gallimard. Il y a aussi une anthologie de la musique maghrébine qu'on avait intitulée à l'époque Hana al-Ghorba et des ouvrages que Abd al-Latif Maarofi a publiés sur l'histoire de la migration. Aux Pays-Bas. Cette passion aussi nous a amené à nous intéresser à la chanson, et c'est ainsi qu'en 2004 exactement, 2005, nous avions publié tous les deux avec des amis cette anthologie sur la musique des chiurs de l'oriental chantant l'exil et l'immigration. Donc, nous allons parler des artistes marocains qui ont chanté l'immigration, qui ont vécu dans l'immigration et voir un peu retracer cet itinéraire. Bien évidemment, ces chanteurs viennent de régions, des régions principales dans un premier temps qui ont alimenté l'immigration. Le RIF, bien sûr, avec cette histoire maintenant aujourd'hui connue grâce aux travaux notamment de Mimoun Aziza, professeur de l'université de Meknès, Moulay Ismaïl de Meknès, l'immigration rifienne qui commence vers la moitié du 19e siècle, vers l'Oranie, avec aussi un affluent venant du Sousse qui se dirige aussi dès le 19e siècle vers l'Oranie. L'Oranie coloniale est colonisée grâce notamment aux Rifains et en partie aux Soussis, mais aussi grâce à la main-d'œuvre andalouse qui vient d'Espagne. La deuxième région, bien évidemment, qui est aussi une région historique d'immigration à laquelle Silkbir a consacré sa thèse et le RIF avec notamment, nous allons y revenir, la figure de l'Hajj Belaïd. Et enfin, une des régions aussi importantes de l'immigration, c'est l'oriental marocain et qui a donné de très très grands chanteurs. Alors, cette chanson de l'immigration, et nous allons passer au slide suivant, s'il vous plaît, est comme très ancienne. Elle est ancienne et avec des chansons enregistrées dès le début de l'industrie phonographique. On sait que avant même des chanteurs marocains, El Hajj Belaïd notamment, enregistrent des chansons à Paris au 19e siècle, nous avons des équipes d'enregistrement des compagnies de discographie internationale qui viennent au Maroc, comme d'ailleurs ils vont dans les autres colonies, pour enregistrer des morceaux de ce qu'on appelle à l'époque le folklore. Et la musique marocaine, comme la musique maghrébine et tunisienne, est concentrée très longtemps sur la France. Elle va s'étendre bien après à d'autres pays que la France, notamment la Belgique et les Pays-Bas. Elle a impliqué des artistes juifs et musulmans, elle a impliqué aussi des hommes et des femmes, et bien évidemment, elle s'est développée parallèlement aux transformations, aux mutations de l'édition musicale. C'est encore un des domaines, j'en dirais en conclusion, qui est encore peu étudié, mais l'industrie phonographique a connu de très nombreuses mutations. Tout le monde, aujourd'hui, il est pratiquement... on ne trouve plus de cassettes, même sur le marché. Le disque 45 tours ou le 33 tours sont devenus des pièces de collection. Et donc, ces transformations ont bien évidemment eu de nombreuses conséquences sur les artistes et les manières de produire et les manières aussi de consommer de la culture. Bien évidemment, et là, il y a tout un pan qui commence à être plus ou moins connu, qui est celui de l'histoire de cette édition. Et enfin, on pourrait dire que, d'une manière ou d'une autre, cette histoire se continue encore aujourd'hui. Elle n'est pas close, elle n'est pas définitivement arrêtée. Vous me permettrez une incise, si on peut passer, s'il vous plaît. Vous pouvez passer, s'il vous plaît, au salle suivant. Voilà, merci. Avant même le début de l'industrie phonographique et le début de l'enregistrement, comme nous allons le voir, il y a aussi déjà des poèmes, et nous commençons à connaître, grâce à de nombreux travaux,
nous commençons à connaître la poésie qui chante l'émigration avant même qu'il y ait la chanson et l'enregistrement. Dans le sous, dans le riff, et on peut passer au slide suivant, nous avons des poèmes. Nous avons des poèmes qui chantent l'immigration, qui sont connus grâce notamment aux travaux des officiers coloniaux comme Justinard ou Biernet, que vous voyez et qui défilent, on peut passer aussi, qui défilent devant vos yeux. La littérature aussi a accompagné, je fais là aussi une deuxième incise, a accompagné l'immigration. Un ouvrage comme Le Déterreur de Khair al-Din parle un peu de cette immigration du Sousse. Khair al-Din vient bien après les années 30 et 40 et 50, mais il raconte, il montre la permanence de cette immigration vers le nord, mais aussi des ouvrages comme Mohamed Choukri qui raconte l'immigration qui part du Rif. Il y a des passages dans le pain nu de Mohamed Choukri sur la tradition de l'immigration des Rifains vers l'Algérie. Et aussi, c'est aussi une découverte récente, un des ouvrages, un des romans sortis dans les années 90 de l'ancien ministre de la Culture, c'est Mohamed Al-Ashari, Janoub al-Rouh, raconte aussi une tradition d'immigration rifaine du Rif vers les montagnes du Zaraoun, et qui remonte à la fin du 19e siècle. Donc nous avons d'autres manifestations de cette immigration que la seule chanson. Revenons à la chanson, en voyant le slide suivant. Et là, bien évidemment, la première grande tradition de la chanson, voilà, merci. La première grande tradition des chanteurs marocains d'immigration, c'est celle des Rouaïs du Sud, qui est maintenant bien connue. J'ai fait référence déjà aux travaux de Dr Kibir Atouf sur l'immigration des soucis, mais aussi les travaux de Hussein Mujahid, l'ancien secrétaire général de l'IRCAM, ou du regretté Claude Lefebvre, qui a été un très grand ethnomusicologue et un ami, ou c'est Mohamed Moustawi. Donc on a une bonne connaissance. Il y a aussi récemment les travaux de Brahim El-Mznid. Brahim El-Mznid vient de sortir une somme sur les Rouaïs du Sud, un immense livre qu'il faut, à mon avis, acquérir et avoir dans sa bibliothèque. Je viens juste de l'avoir comme cadeau de ce Brahim El-Mznid, que je remercie, mais aussi son anthologie sur les Rouaïs qu'il a publiée il y a deux ou trois ans, et qui sont des sommes là aussi. Donc nous connaissons jusqu'aux années... Alors pourquoi les Rouaïs sont importants? C'est parce qu'en fait, jusqu'au milieu des années 50, ce sont les pionniers de la chanson marocaine à l'étranger. Ce sont eux qui chantent cette immigration avec, me semble-t-il, une thématique principale. Il y a bien évidemment tout ce qui est de la nostalgie, nous y reviendrons, mais fondamentalement, la thématique que les Rouaïs chantent, me semble-t-il, c'est celle que résume cette phrase, ce titre, « Partir pour revenir ». L'idée que l'immigration est un moment provisoire, un passage nécessaire, mais qui doit être absolument provisoire, est une des matrices essentielles, me semble-t-il, de la chanson des Rouaïs. Alors, les grandes figures de cette chanson, la figure emblématique, et nous allons le voir dans le slide suivant, c'est celle de l'Hajj Belaïd, qui est dans les années 30 à Paris, qui chante, qui a un mot de ce Beriz, excusez ma prononciation parce que je ne suis absolument pas amazérophone, cette chanson dit déjà un peu les thématiques principales qui vont imprégner tous les chanteurs du Sousse qui vont lui succéder. Il y a bien évidemment la généralité, le constat que l'immigration est devenue quasi générale, qu'elle est en train de vider, de fait, les villages, qu'elle est en train de séparer les familles, mais qu'elle est nécessaire, elle est brève, si elle s'achève par un retour,
parmi les siens. Alors après, sur les pas de l'Hajj Belaïd, de très nombreux chanteurs, dont plusieurs femmes, font le même voyage d'une certaine manière. Et nous commençons aujourd'hui, grâce aux travaux de Sidi Mohammed Moussaoui. Dans le slide suivant, nous allons voir un ouvrage qui vient juste de paraître, il y a là aussi quelques mois, qui est une publication d'une association, Migration et Développement, qui est Tsaliwin, et qui résume, qui donc c'est Sidi Mohammed Moussaoui qui a collecté les chants chantant l'immigration, qui ont été traduits et qui viennent d'être. Et à mon avis, c'est une contribution, bien qu'émanant d'une association, c'est une contribution essentielle à la connaissance de ce monde. Mais il y a aussi d'autres chanteurs. Si Mohammed Moussaoui, dans cet ouvrage, présente une dizaine de chanteurs, mais il y a aussi d'autres chanteurs qui ne sont pas dans cet ouvrage, qui sont tout essentiels et qu'on a présentés dans ce slide. Alors, à côté de cette idée qu'il faut partir pour revenir, que le séjour en immigration dans l'exil doit être le plus bref possible, à mon avis, il y a, de manière assez globale, et là je parle sous le contrôle de Ibrahim Nezen, il y a d'une part cette idée que l'immigration est un bienfait, mais en même temps cette angoisse permanente de la perdition, du risque de la perdition. L'errance, le fait de sombrer dans l'immigration est une idée qui est là aussi quasi générique dans les chansons des Rouaïs, me semble-t-il. En même temps que ces Rouaïs, et ça c'est un élément important à mon avis à souligner, il y a, à partir du milieu des années 50, 1950, il y a dans l'immigration des chanteurs immigrés, mais qui sont des chanteurs loin de l'immigration ouvrière. Et nous avons toute une série d'artistes qui, pour une raison ou une autre, notamment pour affiner leur art, affiner leur connaissance et leur talent, font le voyage de Paris. Vous avez ici quelques exemples, comme Idriss Al-Hajj Al-Hamdawiya, Mohamed Fiza Abdouhab Agoumi, qui est entre Paris et le Caire, qui font la connaissance des autres chanteurs maghrébins, tunisiens et algériens, tous ces chanteurs chantent dans les mêmes orchestres de parisiens, animés notamment par des musiciens algériens et beaucoup d'artistes juifs tunisiens et algériens. Ils jouent dans les mêmes cabarets parisiens du quartier latin, enregistrent dans les mêmes sociétés et en même temps font leur apprentissage musical et leur découverte des autres sonorités. Dans la musique d'un Nagomi, vous allez trouver toute une trace des musiques afro-cubaines qui sont à la mode de l'époque. Parmi ces chanteurs, il y a un pionnier, Hassine Slaoui. Hassine Slaoui arrive bien avant les années 50, il arrive à Marseille en 1940, et qui nous laisse ce qui pourrait être considéré comme après le Hajj Belaïd, comme la deuxième chanson sur l'immigration, L'Iqallah Al-Gharib, qui est une très très belle chanson, et donc qui est pratiquement, me semble-t-il, avec Abd el-Latif, la deuxième chanson sur l'immigration. Il va décéder très peu de temps, il rentre. Il vit avec une artiste algérienne et il rentre vers 1944 pour décéder très très jeune. Alors, quels sont même s'il ne chante pas l'immigration ouvrière au sens premier, quels sont les cas? Je ne sais pas combien de temps il reste. 5 minutes. Pour une vingtaine de. Oh, d'accord, nous allons essayer de faire très vite. Merci infiniment. Mais il ne faut pas hésiter, je n'ai pas de monde, il ne faut pas hésiter. Donc, qu'est-ce qui est caractéristique un peu ces chanteurs qui ne chantent pas l'exil comme on l'a vu chez les autres? Un, ils participent, comme nous venons de le dire, à la formation d'une communauté artistique maghrébine qui se mélange, qui se fréquente. Il y a bien évidemment, c'est là qu'ils découvrent en partie les musiques de l'Orient, la fascination égyptienne notamment. Elle se fait aussi à Paris, pas seulement par le passage au Caire. Et enfin, ils vivent une histoire qui est encore très peu connue. Ils vivent dans une France
terrassé par la guerre d'Algérie, qui vit la guerre d'Algérie. Et donc, un, ils sont embrigadés, comme les autres artistes, par la Fédération de France du FLN, pour se produire dans les cabarets, les week-ends, ils doivent, ou dans les cafés, ils payent, comme les autres artistes algériens, ils payent une dîme sur, qui est prise à partir de la collecte de la soie. Ils sont embrigadés. Et en même temps, probablement qu'ils se produisent dans la radio qui est destinée à l'époque, l'ORTF a mis en place ce qu'on a appelé les ELAB, les émissions en langue arabe et berbère. Et les services d'action de l'armée française en contrôlent et suivent ces émissions et créent un studio spécial dans une villa près de Chartres, dans la région parisienne, pas très loin de Paris, qu'on appelle le Centre Kléber, où des officiers de renseignement de l'armée française et des journalistes maghrébins embauchés pour font des émissions. Et donc, nécessairement, d'une manière ou d'une autre, c'est les artistes marocains dont on vient de parler ont eu affaire à cette réalité, ont été touchés par cette réalité. Mais il s'agit là d'une histoire assez peu connue. Mennem Hafoufi, ethnomusicologue algérien, on a parlé un peu, mais il y a probablement là aussi des pistes de recherche à venir. La deuxième grande tradition, on va passer donc, la deuxième grande tradition de la chanson marocaine, c'est celle des artistes de l'oriental, des chures orientales. Je pense que tout le monde d'entre nous, enfin, en tout cas de ma génération et des générations tout de suite après, ont à l'esprit cette chanson. Le passeport l'Akhdar. Mais à côté de passeport l'Akhdar, il y a des dizaines et des dizaines de chansons, et on va suivre, s'il vous plaît. Il y a des dizaines et des dizaines de chansons qui chantent, qui sont ce qu'on a appelé des chroniques de la vie ouvrière, de la migration ouvrière. Alors avec, bien évidemment, et là c'est des migrations, vous avez ce texte qui est magnifique, qui est un extrait d'une chanson de Cheikh Zaimi, carte de séjour. En eux-mêmes, sans évocateur. La chanson des Chures de l'Oriental raconte un peu tout l'itinéraire du migrant de l'époque, de la migration ouvrière des années 60, de l'amplification, puisqu'on émigre vers la France, signature de l'accord de main-d'œuvre en 63, mais aussi vers la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et donc, il y a la quête du passeport, il y a le voyage qui sont décrits très finement, il y a la vie de l'ouvrier seul, célibataire, dans le garni, dans l'hôtel, la cuisine, les contrôles policiers, la fiche de paye. Enfin, il y a toute cette vie racontée. La gare Saint-Lazare pour aller vers les usines d'automobiles de Poissy ou d'Aulnay-sous-Bois. Il y a donc une sorte de chronique permanente, très précise, très fine, avec ce qu'on a appelé le tiercé de la perdition, qui est cet immigré isolé, ce tiercé étant l'alcool, les jeux et bien évidemment les femmes. Et en permanence, cette quête de la promotion sociale qui a pour emblème la voiture. Le pays d'Ijbala, que nous allons maintenant attaquer, il y a ce qui nous a frappé en écoutant un peu le patrimoine musical djibéli sur l'immigration, c'est bien évidemment la présence des femmes chanteuses. Il y a là, vous le voyez, une présence assez significative. De manière générale, la question, et aujourd'hui, il y a au moins quatre chercheurs marocains sur l'immigration, sociologues qui travaillent sur ces questions, Nouria Wali en Belgique, Nassima Moujoud et Shadia Arab en France, et Fatima Aitbel Madani au Maroc. Elles sont en train de mettre en visibilité, de rendre plus visible la migration féminine et sa contribution dans l'histoire de l'immigration marocaine, qui était jusqu'ici peu étudiée, peu travaillée. Et donc, cette présence des femmes chanteuses, Jbli,
sur l'immigration est assez importante. Il y a, nous allons le voir dans le slide suivant, plusieurs chansons qui parlent des femmes immigrées. Des années 60, on est au début du regroupement familial. C'est pour ça que c'est important à noter, d'une certaine manière, ce que disent nos chercheurs, dont je viens de parler, c'est que là, la femme est présente déjà comme ouvrière, comme immigrée à l'époque. Fadela Rossia chante Gouloudi Marani Leber, la chanson de Malika Tchouania, qui évoque des femmes immigrées, pas simplement dans le cadre du regroupement familial. Des femmes seules sont là, il y a même des femmes là, qui parlent de ses enfants qu'elle a laissé au pays. Faisons. Alors là, ce que cette étude de la chanson nous permet aussi de voir un peu ces deux qui sont présents là très fortes, mais qui sont dans les régions par ce trio de femmes qui chantent d'une manière ou d'une autre, la mère, la séparation avec la mère, la séparation avec la bien-aimée, et aussi ces femmes étrangères qui peuvent faire disparaître les parties. Et aussi cette scène de la perte de l'immigré. Alors, oui, donc nous allons directement vers le deux slides, et on va conclure avec ça. Le premier slide, c'est celui qui parle des années 70, s'il vous plaît. À partir des années 70, nous pourrons dire d'une certaine manière, on peut passer encore. Il y a une sorte de généralisation. Jusqu'ici, il y avait ces trois zones d'immigration, les zones historiques de l'immigration, le Sousse, l'Oriental, le Rif et les quatre pays des Jbala. Mais il y a nous le savons, à partir des années 70-80, il y a une généralisation d'immigration à toutes les zones du Maroc, à toutes les couches sociales, il y a le regroupement familial, et donc il y a une transformation, et tous les genres, on le voit très clairement, comme le montrent ces chansons, tous les genres musicaux s'intéresse de l'immigration. Nous allons aller directement, et je suis désolé d'avoir été un peu trop long, aux conclusions provisoires, et je dis bien provisoires, de ce travail. Hussein Moujahid résume dans cette page, vous avez sous les yeux, quels sont les thèmes dominants de la chanson marocaine sur l'immigration. Et Claude Lefebure, Claude Lefebure, estime qu'il s'agit là d'un patrimoine qui doit être collecté, préservé, et qu'il s'agit d'une histoire de vécu. Et que la question que nous nous posons avec Abdeltef Maroufi, et que nous aimerions approfondir dans les mois qui viennent, c'est est-ce que dans tout ce patrimoine qui est de plusieurs centaines de chansons, est-ce que ce sont les immigrés qui parlent? Est-ce que cette chanson est un reflet, est une histoire de l'immigration, où il s'agit plutôt et assez souvent du Maroc qui parle de son immigration. C'est-à-dire que cette noirceur, d'une certaine manière, qui émane de ce patrimoine musical, cette souffrance permanente, cette nostalgie, cette angoisse de la perte, de la perdition, est-ce qu'elle est celle que les immigrés ressentaient? Probablement en partie, mais c'est aussi peut-être ce que la société marocaine ressentait. La quasi-totalité des chanteurs sont en fait des chanteurs qui ne sont pas des immigrés. Et en tout cas, ils ont vécu en immigration, ils ont fait des tournées en immigration, quelques-uns ont été eux-mêmes des immigrés, comme par exemple Al-Bansir, qui est une des grandes vedettes du Sousse, mais fondamentalement, ce ne sont pas des immigrés. Néanmoins, donc c'est une des questions qu'il faut que nous posions. Est-ce que cette chanson est le reflet exact de la vie en immigration, ou c'est un reflet déformé d'une certaine manière? Et enfin, mais néanmoins, nous partageons cet appel de Claude Lefebure à préserver, à collecter. Nous manquons, et c'est une des propositions que fait Brahim El-Mesned de l'inciter que, par exemple, que la Maison de l'Histoire du Maroc, Dar Sahrim, se dote d'une phonothèque nationale, qui est de tout un département de musique. Donc nous partageons cet appel à la collecte, à la préservation. Il est déjà commencé. On n'a pas du tout traité ici de la chanson juive dans l'immigration. Si Mohamed
Ahmed Aïdoun lui a consacré un ouvrage qui est paru en 2019. Et il y a une immigration des artistes juifs marocains et juives marocaines, mais d'une autre manière, vers plutôt le Canada et Israël, qui mérite d'être visité. Et l'autre grande conclusion, c'est que c'est en recoupant cette archive, cette source qui est la chanson, avec d'autres sources, la littérature, les fonds photos, le théâtre dans l'immigration, que nous pourrions avancer dans une écriture de l'histoire culturelle de l'immigration marocaine, qui éclaire en partie l'histoire culturelle du Maroc, qui éclairerait en partie, qui enrichirait en partie l'histoire culturelle du Maroc. Merci de votre attention. Merci, Cédric Yazami, pour cette intervention passionnante. Ce n'est pas un hasard, parce que Cédric Yazami, c'est un passionné de l'art et de la culture. On sait bien qu'il est au-delà de la chanson, c'est la photographie, le Paris des Arabes et d'autres ouvrages qui retracent l'histoire culturelle de l'immigration. Et je profite de cette occasion pour aussi saluer, et parce que Cédric Yazami, j'ai travaillé à ses côtés pendant 9 ans. Et le projet de centre des études sahariennes qui sera le sujet de ma communication cet après-midi. Mais la première production de ce centre, c'était l'anthologie de la musique Hassani. Et c'est grâce à Idriss Yazami qu'on l'a fait ensemble. Et peu de gens connaissent que c'est Yazami. Donc on a passé 10 nuits chez l'éditeur à Casa à corriger. Et c'est lui qui a mis en forme toute la traduction en français des textes. Des chansons Hassani. Donc, c'est un passionné. Et je salue ici tout son travail qu'il a fait, non seulement pour la culture, l'immigration, mais aussi dans d'autres histoires régionales de d'autres parties du Maroc. Donc, cette communication, je vais juste parler 2 minutes par rapport à, parce qu'un autre public arabophone, pour les Akol Béna, le Moudakh, la Rakazet, Assassin, à la juste min le fin ou le Rina. الهجرة ولكن خصوصا نكتشف بأن أول النصوص أو أول الموسيقى الهجرة هي المهاجرين الذين كانوا في فرنسا بالجزائر بشرق الجزائر بوهران سواء خصوصا سوس ومنطقة الشرق أي تسجيلات كانت في أواخر القرن 19 لأغاني مهاجرين من سوس ومن الشرق إلى الجزائر في إبان الاحتلال الفرنسي وكيف بعد ذلك يعني كذلك التطرق لهذا الجزء من التراث الغنائي الذي يؤرخ للحياة الثقافية للمهاجرين في فرنسا سواء من خلال الحاج بالعيد أو غيره من الرويس أو كذلك الشيوخ ولكن المداخلة لن ألخصها يعني لأنها ثرية وغنية بالعديد من المعطيات ولكن خصوصا الاستنتاج المهم الأول النقطة الأولى بل هل هذه الأغنية تعبر عن تاريخ الهجرة أو رؤية المغاربة لهذه الهجرة لأن أغلب هؤلاء الفنانين كانوا لا يعيشون الهجرة بل كانوا مقيمين في المغرب وكانوا يغنون الهجرة لذا فهو إحساس المغاربة بالهجرة أكثر ما هو تاريخ الهجرة وهذا السؤال يطرحه كذلك مع زملائه الذين يشرفون معه خصوصا الأخ عبد اللطيف معروف يطرح هذه الأسئلة وخصوصا كذلك بأن يعني كيف جمع رهان جمع هذا التراث الغنائي وهذا التراث الفني كجزء من تاريخ للحياة الثقافية للهجرة الذي هي جزء الذي يساعدنا كذلك في اكتشاف جزء من تاريخ المغربي الثقافي دونك ميرسي سيدريس ليازامي par cette communication et je passerai sans transition à mon ami le professeur Kbir Atouf état de la recherche sur la question migratoire dans l'histoire du Maroc et Kbir Atouf donc aussi c'est un spécialiste de l'immigration et c'est à vous c'est Atouf. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Sir Hal Moubrek. Je tiens à remercier également l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc ainsi que l'Académie Royale pour m'avoir invité. Et donc, c'est très difficile de faire un exposé après Cédric Liazami, lui qui se dit pas le statut, il n'a pas le statut universitaire. Je le connais, c'est un fin connaisseur de l'immigration. Et honnêtement, avec vos travaux, Cédric Liazami, vous méritez plus qu'une thèse. Bon,
Il s'agit de faire un état de la recherche sur l'immigration marocaine dans l'histoire du Maroc contemporain. Et donc, en termes d'introduction méthodologique et problématique générale, je commencerai par dire que la question migratoire à partir vers et à travers le Maroc, aujourd'hui, connaît des mutations profondes, voire même des transformations qui sont toujours en cours, en termes de nouvelles formes de mobilité, nouveaux types de flux, nouvelles fonctions migratoires du pays et flux d'immigration qui constituent les nouvelles tendances dans l'état actuel des choses. Le présent bilan de recherche sur l'immigration à partir vers et à travers le Maroc ne prétend pas analyser exhaustivement ou faire un inventaire aussi complet que possible, mais on a rencontré beaucoup de difficultés par rapport aux thèses universitaires que j'ai dépouillées et que j'évoquerai tout à l'heure. Mais pour cerner la problématique générale de la question migratoire en rapport avec l'histoire du Maroc, il faut tenir compte de quatre formes qui marquent ces migrations dans l'état actuel des choses en termes de connaissances. Premièrement, les recherches sur l'immigration des Marocains du monde sont les mieux connues, généralement. Deuxièmement, l'immigration des Marocains de retour et surtout en comparaison avec les Européens, par exemple, sont relativement connues. La troisième forme migratoire concerne l'immigration de transit et du subsaharien. Cette migration est relativement, je dirais même, mal connue par rapport à leur statut surtout, qui s'inscrit dans une logique de clandestinité, entre guillemets, même s'il faut reconnaître que les choses commencent à bouger depuis la thèse de Mehdi Eliwa, soutenue à Toulouse en 2011. Et le quatrième point, il s'agit des monographies. Les monographies, elles ont l'avantage d'étudier des spécificités locales qu'on ne retrouve pas dans les généralités sur le plan national. Donc la problématique centrale renvoie au rôle du Maroc dans la configuration migratoire euro-africaine, sachant que le Maroc évolue progressivement vers la position constante d'un pays de transit et d'installation durable pour les migrations internationales, d'où le fait que certains chercheurs, et j'en suis un, parlent d'une transition migratoire qui est toujours en cours ou inachevée jusqu'à présent. Alors, la méthodologie utilisée pour élaborer ce bilan de thèse que j'ai dépouillé, il a été réalisé à travers des thèses franco-marocaines, ce dépouillement, et j'ai rencontré plusieurs difficultés à le faire. Un, la dispersion géographique qui concerne 6 millions de Marocains du monde. Deux, l'essentiel de la recherche est produit à l'extérieur et par conséquent, on a tendance à confronter un éclatement en termes linguistiques et disciplinaires, d'où le choix de limiter cette investigation scientifique aux thèses franco-marocaines dont les références sont complètes, parce qu'il y a des thèses qui ne sont pas publiées et il y a des thèses dont les références sont incomplètes. Je suis désolé, je ramène un peu d'eau. Alors, pardon. Et donc, je passe au plan. J'ai divisé cette communication en trois parties. La première concerne l'évolution historique des migrations internationales depuis vers et à travers le Maroc, histoire de situer le sujet dans sa globalité. Et la deuxième partie, je vais essayer de présenter ces thèses franco-marocaines sur le plan formel par rapport à la forme. Et le troisième point, c'est l'objectif. Je vais essayer de présenter les résultats de ces thèses dépouillées en les situant dans la tendance actuelle de la recherche. Donc, je commence par présenter les grandes lignes de cette évolution historique. Bon, il s'agit des données qui sont publiées, relativement connues, mais juste pour synthétiser les choses, je dirais que déjà la périodisation pose problème. Je suis très gêné de le faire, mais pour gagner du temps, je l'ai fait en deux. J'ai choisi de faire le choix d'opter pour deux périodes chronologiques relativement longues. C'est la période de la colonisation, ça concerne la première phase, connaissance de l'Algérie, 1830-1962, et puis la période postcoloniale, après les années 60, jusqu'aux années 2017-2018.
Donc l'immigration à partir des trois pays maghrébins, Maroc, Tunisie, Algérie, on vit leur mécanisme structurel se mettre en place progressivement tout au long de la période coloniale. Et les conséquences ou l'impact de cette migration coloniale, c'est l'inscription de ces migrations marocaines avec tous leurs profils différents qu'on va voir développer plus tard, et l'inscription de cette migration, je dirais, au pluriel, dans le capital et dans le réseau des migrations internationales postérieures. Alors, la première phase, il faut dire que la prolétarisation ouvrière est initiée d'abord dans les colonies, dans les chantiers de la colonisation. Et donc, tout le monde connaît que le mouvement ouvrier que l'on connaît, c'est un pur produit de la colonisation. Et donc, les migrants marocains au niveau interne ou au niveau de voisinage par rapport à l'immigration marocaine, que ce soit en Algérie, en Tunisie, ont découvert ces espaces en courant derrière ce qu'on appelle l'argent liquide ou le salaire fixe, parce que avec la colonisation, la monnaie a été très très peu utilisée. Et je crois que cette histoire de l'argent liquide, de la monnaie, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait entrer cette migration, ces ouvriers, dans ce qu'on appelle la société de consommation de la grande porte. Donc, désormais, des nouveaux rapports sociaux, psychiques, monétaires, sont instaurés définitivement dans ces colonies. Et cette situation a eu pour conséquence la naissance du mouvement ouvrier prolétarisé que l'on connaît. J'arrive à la deuxième phase. On assiste à la chute vers Tunis. Il faut penser à l'immigration dans l'autre sens. On a eu beaucoup de colons. Je donne un chiffre pour illustrer la situation. En 1952, par exemple, on a recensé jusqu'à 527 000 étrangers au Maroc. Et ce chiffre a été divisé presque plus par 6 fois le chiffre qu'on a recensé en 2004 selon le recensement général de la population, à savoir 84 000 personnes. Alors, pour actualiser les choses, selon les données de l'ONU actualisées, en 2017, on a recensé 101 000 personnes étrangères vivant au Maroc en 2017. Ça représente environ 0,3% de la population marocaine. Et depuis 2013, on constate que la politique migratoire marocaine a connu un tournant décisif suite aux orientations royales basées sur les recommandations du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, publiées dans un rapport qui fait date depuis 2013. Et donc, parmi les recommandations, enfin l'impact de ces recommandations, c'est deux régularisations entre 2014 et 2016, effectuées dans le cadre de la SNIA, la Stratégie nationale d'immigration et d'asile. Et donc, le nombre de régularisations est estimé aujourd'hui à plus de 49 000 personnes qui ont été régularisées. Là, j'arrive à un point important, c'est le Maroc en tant que pays d'immigration et de transit. Depuis la colonisation de ces trois pays nord-africains, on assiste à plusieurs formes migratoires, à commencer par la migration saisonnière en Algérie et en Tunisie. Je citerai un seul chiffre, on a recensé jusqu'à 80 000 personnes durant certaines périodes de pénurie de main-d'œuvre ou de disette, comme c'est le cas dans les années 1865-1868 dans le Sousse. Il y avait des migrations marocaines aussi dans la Tunisie coloniale. Selon les recensements généraux, on assistait à plusieurs milliers de Marocains qui travaillaient en Tunisie. Mais ce sont bien les migrations militarisées qui vont développer des migrations massives durant la période post-coloniale. Donc c'est ce qu'on va voir. Je ne rentre pas dans les détails, mais je donnerai quelques indices. Donc l'impact des migrations coloniales militarisées, des centaines de milliers de Marocains ont été recrutés et déracinés. Et là, ce que j'appelle un déracinement militarisé dans le cadre colonial. Donc il y a la participation des soldats marocains dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre de pacification, les soldats marocains qui ont assuré la sécurité des colons durant le Maroc colonial jusqu'en 1956. Il y a ce qu'on appelle les Marocains de Franco, c'est un titre du livre de Marie Diaga, qui signale par ailleurs qu'on a un chiffre de 87 000 Marocains qui ont participé à la guerre de Franco contre la République. Il y a les travailleurs libres, à peu près 30 000 personnes. Donc vous voyez, il y a vraiment des masses très importantes qui ont été
déracinés durant cette période coloniale. Ce sont environ, selon mes propres statistiques, 400 000 Marocains, en gros, hein, durant la période coloniale, qui ont été déracinés à travers ces migrations coloniales et qui vont jouer un rôle très important en termes de potentialité migratoire ultérieurement. Grosso modo, dans l'état actuel des choses, on a 6 millions de Marocains du monde qui représentent